Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale qui est dédiée à cette édition du 8 mars. C'est l'année 2023 et vous le savez, une thématique forte interpellatrice qui appelle non seulement les dames, mais vous aussi à la maison, vous qui nous regardez, vous pouvez déjà le découvrir. Notre panel, il est de choix. Elles sont vêtues aux couleurs du tissu de cette année. Elles ont décidé de rehausser notre plateau et surtout de vous accompagner avec leur savoir-vivre, leur savoir-être et beaucoup en termes d'arguments. Leurs points de vue ne vont pas vous laisser pantois. Alors, je vais commencer à mon extrême droite. Je suis pas seule. Elle est avec moi, Davila. Pendant tout ce temps, on va échanger avec vous pour vous produire non seulement ce que les femmes ont au fond d'elles, mais vous montrer aussi ce côté de la femme, cette femme battante. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, ça fait plaisir. C'est de partager, premièrement, mon grand plaisir comme ça avec toi. Ah là là, le plaisir. Alors, je pense que ça sera plus pour tout. Pour toutes ces dames-là qui non seulement ont laissé tomber toutes leurs activités pendant des heures pour être ici et vous accompagner avec leurs arguments. On a commencé par l'extrême droite. Je vais vous présenter une déesse de la chanson. Celle-là, elle va faire chauffer le plateau dans quelques instants. Yokuin, bon après-midi et surtout bonne fête des droits de la femme. Merci beaucoup, bon après-midi et bonne fête à toutes les femmes. J'espère que tu vas bien. La température va monter, je le sens déjà hein, dans quelques instants. Alors parlons de température, vous le savez, avec les dames, c'est beaucoup de finesse, beaucoup de joie et des petits souris parce qu'elles ne rient pas, les dames, elles sourient juste un peu. À côté de nous, à notre gauche, se trouve elle, c'est Madame Aboudi. Elle va vous donner une expérience. Elle est chargée des relations publiques dans une société de la place. Elle se chargera de vous le décrire. Bon après-midi, madame. Bon et surtout, bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête à vous également. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et la fête, elle a commencé depuis un certain temps. Oui. À côté de madame Aboudi, vous avez sûrement découvert, elle a des lunettes. Peut-être c'est le côté des femmes à lunettes, non? C'est le côté des femmes savantes. Et parlant de femmes savantes, elle, c'est une scientifique. Je préfère l'appeler Nathalie parce que là, ça fait plus convivial. Bon après-midi, Nathalie, et surtout, bonne fête de la journée des droits de la femme. Bon après-midi, bon après-midi, bonne fête de la femme. Voilà, le souhait a été fait. Vous aussi, à la maison, vous avez découvert notre panel. On va juste prendre cette petite respiration avec ton concours, Davila, pour permettre à toutes ces dames d'être en plein dans le thème, parce qu'on va commencer avec la thématique. La thématique de cette année, elle interpelle la femme, elle parle de technologie et c'est tout de suite. De retour sur ce plateau avec Davila, on le disait, la première partie de notre émission, on va revenir sur la thématique. Alors Davila, je te donnerai le soin de rappeler la thématique aux dames avant qu'on commence à prendre leurs différents avis. Avec plaisir, aujourd'hui c'est une très belle thématique, Yvette, qui non seulement concerne la femme camerounaise, parce qu'il n'y a que des camerounaises, mais les femmes dans tout le monde entier. C'est une thématique qui concerne toutes les femmes, qui sont non seulement des femmes et des jeunes filles aussi. Alors on va la rappeler, hein, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est une thématique hyper et très forte pour moi. Une thématique très forte parce que non seulement elle intègre ce côté digital, on sait que le digital c'est devenu la mode, c'est devenu la tendance. Les analphabètes maintenant, c'est ceux-là qui ne savent pas utiliser un outil Internet ou bien avoir un téléphone Android pour pouvoir communiquer avec tout le monde entier. Alors Nathalie, d'entrée de jeu, je commencerai par toi. On parle de nouvelles technologies, ça fait intervenir la science. C'est encore une autre évolution de la science. Est-ce que pour vous, les technologies, les nouvelles technologies sont l'apanage ou vraiment c'est le monde actuellement? Si vous n'êtes pas vraiment HTV connecté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, à mon avis, je pense que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont vraiment devenues une nécessité.
dans notre vie courante. Oui. C'est vrai que c'est une nécessité, mais il faudrait aussi savoir comment on les utilise. Et pour y accéder, il faut passer par certains moyens. Alors, Madame Aboudi, moi, je vais un peu revenir avec vous. On sait que pour avoir la connexion, pour être chaque fois connecté, il faudrait des préalables. Peut-être à la base, il faut une formation. Ben, merci. Je dirais que... En ce qui me concerne, et je parlerai principalement de la structure où je suis, c'est plus simple pour moi. Ça sera comme un cas tout le monde s'y met et c'est un outil de travail, tout simplement. Donc, c'est, on ne peut pas s'en passer. On ne peut plus bon, maintenant, s'en passer. Si vous dites qu'il faut, il faille passer par une formation, je dirais que généralement, tout le monde est formé dans le tas. Voilà, c'est ça. Alors, parlant d'autodidacte, tu permets... Davila, moi, j'aimerais que tu poses plutôt une question à Queen. Elle est fait dans le digital, la technologie, la musique, c'est son quotidien. Alors, Queen, comment ça se passe? Que Nathalie a évoqué, parce que dans nos missions, il s'agit de trouver des partenaires pour mettre en œuvre des projets d'agro-industrie. Mm-hmm. Et vous voyez que pour la recherche de partenaires, pour ce genre de projet, c'est pas localement. Ce sont des gros investissements dont il faut tout le temps être connecté pour être à l'affût des nouvelles opportunités, pour être en contact avec eux, pour les renoncer tout le temps. Mm-hmm. Donc, ça c'est une nécessité en fait. Et comme Nathalie l'a si bien dit, quand il y a des problèmes de coupure en interne et ainsi, on est obligé de prendre soi-même ses connexions propres pour le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez des problèmes dans votre travail. Donc, on est obligé de faire, d'utiliser des palliatifs également. On devait respecter les charges. Tout à fait. Bon, dans votre élan d'utiliser des palliatifs, on sait aussi que la connexion, ce n'est pas toujours à la portée de tous. Ça veut dire que ça nécessite des gros moyens. Vu que vous exercez dans des grosses boîtes, ça demande aussi beaucoup de connexion. Et qui dit connexion, dit aussi... Souvent, on va dans le dépassement. Prévu et que ça ne marche pas comme vous avez prévu, vous êtes obligé de trouver une solution secondaire. Et parfois, on est aussi obligé d'utiliser ces rédacteurs web-là qui, en continu, sont aussi le relais pour notre information, peu importe le lieu. Mmh. Hormis ces problèmes liés à ces frais, David, là, il y a aussi ce problème
de lumière. Exactement. Parce qu'on parlera aussi de la lumière. On ne peut pas utiliser un ordinateur si ce n'est pas chargé. Bah, complètement. Et là, ça fait aussi intervenir d'autres moyens palliatifs. Là, je vais pas parler avec lui. Parce qu'on le voit constamment. On a parlé d'énergie solaire qui est revenue, l'énergie éolienne qui est devenue la tendance. Mais hormis ça, on a toujours des gens qui utilisent des groupes. Ces groupes électrogènes qui arrivent à nous alimenter et nous permettre de garder la connexion. Je prends un peu un exemple, si Queen est en studio et que la société enregistrer un morceau, c'est un vrai problème parce que là tu es obligé d'attendre. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est juste bloqué. Tu peux pas utiliser un power bank sur une très grande machine. Ah, vraiment. Oui. Donc là tu es juste bloqué. Je me rappelle, il y a eu des fois où je devais travailler, enregistrer un morceau. Il n'y avait pas d'énergie et on était obligé d'attendre. On discutait. Faut bien meubler l'espace. La nature a rendu vide. Tuer le temps de manière. Exactement. Tuer le temps. Donc, on discutait sur la musique et surtout, on modifiait les paroles juste pour attendre que l'énergie revienne. Et là, quand ça ne revient pas, on programme un autre truc. Et quand c'est lorsqu'il s'agisse des téléphones portables, en tout cas pour un social media ou encore un community manager, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous avez par exemple une publication pour une entreprise que vous gérez. Comment ça se passe? Parce que, enfin, en temps, en heure et tout, ce n'est pas possible si vous n'avez pas prévu. Parce que, enfin, il y a cette méthode-là qui permet de structurer un tout petit peu la publication. Si vous ne l'avez pas fait, comment ça se passe? En fait, déjà, sur les pages, ce n'est pas juste l'artiste qui gère ces pages. Donc, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui peuvent gérer les pages. Oui. Donc, d'accord. On peut vraiment gérer la chose dans le cas où. Et ça peut être des personnes qui sont dans des lieux différents. Oui. Peut-être s'il n'y a pas d'énergie de l'autre côté. Exact. On s'informe juste. Je peux gérer ma page, le community manager et le manager également. Dans le cas où il y a une publication et je ne suis pas disponible, il se charge. On discute juste au préalable. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un très bon moyen, Yvette, d'être 3 personnes pour un seul compte et tout, savoir que, ok, d'accord, si moi je suis en difficulté, quelqu'un d'autre de l'autre côté peut suivre le programme, rien ne sera rompu. Ça, c'est une grande chaîne qui sera maintenue et qui sera toujours d'appoint. C'était dans notre première partie d'Avila où on revenait sur la thématique, essayer de voir en quoi le digital, toutes ces nouvelles technologies peuvent être ancrées, non seulement dans notre quotidien, mais aussi dans tout ce qui fait notre boulot. Alors, avec le concours de la technique, on va prendre cette respiration pour venir avec le deuxième point. On parlera de l'usage raisonnable des réseaux sociaux aujourd'hui par les dames. Qui nous introduit dans le vif du sujet avec une thématique. On parle de l'usage raisonnable des réseaux sociaux. On voit aujourd'hui, il y a plus de tendance avec ces femmes qui font du commerce. On parle du e-commerce. C'est toujours en ligne, on arrive à choisir, on nous propose et on fait des choix. Parfois, on a même des livraisons à temps réel, mais on a aussi ces influenceuses qui ont pris le vent en poupe. Nathalie qui arrive à devenir des coachs, on a des femmes et des femmes qui sont devenues des coachs personnels, des coachs de vie. C'est aussi ce côté-là du réseau social et ce côté des nouvelles technologies. Alors qu'est-ce que toi tu en penses? Les dames aujourd'hui arrivent à utiliser les nouvelles technologies à bon escient pour réaliser quelque chose de beau ou bien c'est devenu vraiment... La vanille, c'est devenu la mondialisation où on verse tout et on retrouve tout à tout instant. C'est l'utilisation raisonnable des réseaux sociaux, c'est un peu comme dans tous les domaines.
et on a certains qui l'utilisent à bon escient. Ouais. De manière vraiment productive et rentable. Surtout. On peut aussi faire de grandes choses avec. Mais à côté également, on a ce groupe-là. Déviant. Oui. Et maintenant, et c'est l'un des plus gros problèmes avec les réseaux sociaux. Comment contrôler ces groupes-là qui n'utilisent pas le réseau social de manière adéquate et comment même protéger les utilisateurs des réseaux sociaux. Parce que justement, de ce côté de la protection, on sait qu'il y a certains contenus qui sont vraiment pas indiqués, peut-être en fonction d'un certain âge, en fonction de certaines personnes. Il y a des personnes très sensibles, peut-être on voit une image hyper choquante. Est-ce que là, on ne parle pas d'un usage qui tend à devenir, à aller dans, du côté de la perversité? Évidemment, on peut penser à ça. Mais je me dis, ça dépend de l'éducation que nous avons reçue sur l'emploi du réseau social. Le but, nous l'utilisons pour quoi? À quoi est-ce qu'il doit nous servir? C'est vrai que de nos jours, les jugements sont beaucoup faits sur l'image. Exactement. La personne. Je me dis, nous devons faire attention à l'image que nous projetons. Parce que mal interprété, même toi, l'utilisateur de ce réseau-là, tu deviens une victime. Tu peux devenir une victime. Nous avons déjà eu assisté à plusieurs cas de, de violence basée sur le genre, par le biais du matériel numérique. Oui. Et les femmes en sont grandement victimes. Oui. Alors, l'usage des réseaux sociaux, Madame Abutou, c'est vrai qu'on parle encore de votre domaine d'activité où on voit combien de fois le numérique est plus que nécessaire. Est-ce que vous pensez que vraiment dans votre domaine, l'usage n'est que raisonnable, l'usage des réseaux sociaux et des nouvelles technologies? En réalité, je dirais que tout dépend de l'objectif, comme l'a dit Nathalie. Quand c'est dans une entreprise, vous ne communiquez que dans le cadre institutionnel, dans le cadre pour faire vendre quelque chose ou un produit que vous faites. Généralement, dans ce cadre bien structuré, c'est rare qu'il y ait des écarts. Mais quand on entend, vous allez prononcer le nom de Nathalie Poitou, on comprend qu'avec la mondialisation, dont la mondialisation quand même porte à tout. Et c'est pour ça qu'on a des nouveaux services qui se développent. Au fur et à mesure. Voilà, en fait, c'est ça. Parlant des nouveaux services, on a des nouveaux métiers. Ouais. Elle le disait encore, oui, il y a des nouveaux métiers avec le web qui se sont développés. On a des community managers, on a des TikTokers, parce qu'on sait que c'est la mode maintenant. Et est-ce que ces TikTokers, ces TikTokeuses, bon, on met un peu le pan sur les femmes, hein, parce qu'aujourd'hui on célèbre la femme, des TikTokeuses, est-ce que ces TikTokeuses sont toujours celles-là qui amènent nos enfants à être conscients, qui conscientisent la jeune fille, qui conscientisent la femme, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas dans ce sens. Effectivement, mais je dirais que les réseaux sociaux en général, ils apportent un petit plus. Surtout pour la jeunesse, bien évidemment, il y a toujours ce petit mauvais côté. Mais je dirais que les réseaux sociaux, il y a plus ce bon côté que ce mauvais côté. Déjà, ça ouvre beaucoup de voies pour les jeunes. De nos jours, avec très peu, avec un téléphone, un ordinateur, tu peux devenir juste à travers un clic. Par exemple, on a Muriel Blanche, on a Marcel Couture, on a Mayol Francine. Avec vraiment très peu, tu peux faire de grandes choses. Et je dirais que c'est un peu le plus, mais toujours, il y a toujours des déviants. Ah, il y a toujours un revers. Toujours, il y a toujours ceux-là qui font, qui produisent du mauvais contenu. Mais également, il y a des applications telles que TikTok. Si tu te retrouves en train de publier un contenu choquant, une vidéo choquante, tu as dit quelque chose qui choque, vraiment TikTok, il te bloque ton compte et tu recommences à zéro. Directement. Direct.
peu importe le nombre de followers que tu avais déjà, c'est fini. Si on signale ton compte plusieurs fois que tu as produit, tu as du compte de choquant, et on bloque ton compte. Moi, j'ai comme l'impression, hein, Queen, que ça tarde beaucoup. Enfin, si sur TikTok, il faut plusieurs fois signaler le compte pour qu'il soit bloqué, moi, je me dis que c'est une mesure qui tarde. Moi, je préfère, par exemple, Facebook. On a cette, je sais pas comment je vais appeler ça. Une notification. Exactement, qui fait, du moins, on a la possibilité de cliquer sur l'image et de la regarder ou pas, si elle est choquante. Là, vous êtes libre d'ouvrir l'image ou pas. Par contre, TikTok, honnêtement, moi, je trouve que TikTok est très lent. S'il faut attendre, signaler un groupe, du moins un compte, plusieurs fois pour qu'il soit bloqué. Pour moi, ça tarde, l'information sera déjà passée. Et très vite aujourd'hui, il suffit que vous ayez passé l'information là maintenant pour que ça elle soit relayée. Aussitôt, tout le monde l'aura. Même si vous voulez la supprimer plus tard, tout le monde l'aura déjà enregistré. Et on va se calmer. Regarder. Vous allez avoir comme l'impression que le jeu a été calmé et on va relancer. Et ça crée des polémiques énormes. Moi, j'ai comme l'impression. Enfin, et on a beaucoup de pays dans lesquels je vais taire le nom, bien sûr, mais on a des pays où TikTok a été censuré. D'autres pays où on a complètement retiré, il y a les âges, on ne peut pas utiliser TikTok. Moi, je me dis que ce serait une très belle mesure de regarder déjà les âges. Clairement, que, enfin, on va très souvent, moi, je me rappelle très bien quand j'avais mon premier compte Facebook, j'ai pas donné mon âge. Je peux en avoir plus et puis je change ce tâche-là. Voilà. Ce petit côté-là, moi je trouve qu'honnêtement, outre l'apport que dont Queen parlait tout à l'heure et Nathalie le mentionnait encore tout à l'heure, le côté pécunier et tout que ça peut rapporter, le côté péjoratif honnêtement pour moi aujourd'hui prend beaucoup plus de place. Ou même on perd et on oublie même l'utilité, même ou bien cette vision, la vision des réseaux sociaux. Facebook par exemple était pour nous rapprocher, Yvette. Okay. Aujourd'hui ça nous égare complètement. Okay. Tu parlais de sensibilité, de vulnérabilité et tout. Il y a des personnes qui après avoir vu une publication, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui choquent. Et qui se retrouve dans un état de santé où on ne peut vraiment plus retrouver. On s'égare énormément. Oui, on s'égare énormément. Mais je pense aussi ce côté de censure-là, parce qu'on dit avant de censurer, il faudrait d'abord passer à la sensibilisation. Mm-hmm. Là, un peu, c'est progressivement. Mm-hmm. Est-ce que la cyberattaque et toutes ces cybernétiques qu'on a mis au-dessus et qu'on essayait pour... non seulement réglementer l'usage des réseaux sociaux porte des fruits aujourd'hui, Nathalie? Dans un sens, oui. Passer à la cybercriminalité, on peut derrière son téléphone se cacher, on devient président de la République, on devient le gestionnaire de tous les comptes, celui-là qui arrive à entrer dans les comptes de manière frauduleuse. Est-ce que toute cette cybersécurité-là arrive à garantir la sécurité à tous les citoyens? Comme je disais, dans un sens, oui. Mais la population de nos jours, surtout la jeunesse actuelle, ils ont réussi à mettre sur pied cette petite méthode de contournement. Des hackers. Oui. Toutes ces petites méthodes de contournement qui font en sorte que la protection contre la cybercriminalité n'est pas banalisée. Elle a ses limites. Alors parlons justement de ces limites, Madame Mabutu, ce qui est sûr, vous pouvez quand même nous proposer certaines solutions. On a parlé de cybercriminalité, des séminaires et des séminaires, c'est en un plus finir. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à sortir de ces mailles des hackers? Moi, je pense réellement que... Vous l'avez si bien dit, hein, la première chose, c'est qu'on soit sensibilisé. Merci. Parce que je me dis, le fait, je l'ai souligné tout à l'heure, la mondialisation a fait que les choses sont allées très rapidement. Très rapidement. On n'a pas eu le temps de pouvoir être préparé à l'utilisation du numérique. On n'est pas prêt, numérique. Pas du tout. Ce qui fait que là, maintenant, nous sommes tous des autodidactes. Ça nous tombe dessus, alors. Et puis... On ne sait pas comment utiliser, on ne sait pas comment faire, ça va dans tous les sens. Ouais. Et vous voyez, quand quelque chose va dans tous les sens, c'est normal que les hackers se développent un peu plus. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui sont appliquées. Il y a dans les téléphones, il y a des IBM pour qu'on puisse vous retracer. Il y a des GPS qui sont introduits pour qu'on puisse vous repérer. C'est vrai que maintenant, quand vous entrez dans un système numérique, on sait.
qui vous êtes. Qui vous êtes, totalement. On vous retrace, la traçabilité, elle est directe. Il n'y a plus d'anonymat en réalité. Ouais. Mais je vais quelque part, hein, Madame Aboudou, apporter une toute petite... En tout cas, on recadrait les choses. Hein. Mm-hmm. Certes, on parlait des IBM, mais honnêtement, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure, ils sont très très forts. Derrière leur ordinateur ou un téléphone portable, ils sont toujours là, bizarre. Hein. Queen, tu vois un peu de quoi je veux parler. Ils ont des moyens de contourner ceci. Comment ? Je vais prendre un exemple parce que j'ai écouté un jeune qui parlait aussi, effectivement. C'est d'utiliser plus facilement un téléphone portable nouveau. L'utiliser, créer une personnalité, des adresses qui ne sont pas vraies du tout. Faire sa sale besogne et aussitôt on l'a jeté. On ne réutilise pas la même adresse. Exactement. C'est-à-dire que je peux quitter d'ici, je suis à Regard d'Afrique, à Oudja. Je vais quitter d'ici, je vais aller en Bankomo. Je fais mon activité, je quitte de Bankomo. Bah, on a oublié là-bas parce que derrière, il y a beaucoup à gagner. Alors, un portable, ce n'est rien. Il le disait effectivement, qu'il disait quelque part aussi en termes de cybercriminalité, comme Yvette le disait tout à l'heure, tous les séminaires qui sont faits tout autour, à un moment donné, ça a des limites. Aussitôt vous évoluez avec des mesures que vous prenez, eux aussi, ils évoluent. C'est-à-dire que c'est un peu comme, ils ne dorment pas. Vous ne dormez pas, ils ne dorment pas. Ils cherchent comment à chaque fois contrecarrer hein, une mesure nouvellement mise sur pied pour essayer de protéger hein, tous ces utilisateurs des réseaux. Alors, restons un peu dans le ciel de la sensibilisation. Je suis sûre que chacune de nous a eu vraiment une histoire avec un hacker qui nous a promis ciel et terre. Alors, je vois le sourire de Queen. De Queen, oui. Elle a vécu ça, en fait. Elle y est passée. Parfois, on se retrouve dans un groupe. On te dit, quand tu as besoin d'une connexion gratuite, illimitée, envoie ton numéro. Est-ce qu'on peut encore passer par cette étape-là? Oui. C'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Mm. Je dirais que de mon côté, c'est pas vraiment un hacker. Je dirais que c'est plus du harcèlement. Mm. Parce que quand tu es une artiste, quand tu as des comptes, tu es une personnalité publique. Tout le monde peut avoir accès à ton contact. À mon contact, oui. C'est pour ça que sur les différentes pages, c'est pas mon numéro. Mais ça ne change rien. Il y a toujours ces gens-là qui te harcèlent. Mm. Et encore qui essaie de t'avoir, que ce soit sur un SMS ou qui appelle même. Oui. Effectivement, ils se font passer pour un fan qui a vraiment besoin peut-être d'un concert, de quelque chose. N'importe qui, un producteur, un photographe, et là tu te retrouves dans. C'est pour ça qu'en fait c'est pas moi qui gère et c'est pas moi qui lis. Mm-hmm. Parce que de nos jours tu peux vraiment être choqué parce que les gens disent ça fait peur. Très. Ça fait très peur. Les gens, ils s'en foutent. Ils ont oublié vraiment la vraie utilité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se laissent emporter par tout ça et ils se font mal, ils se font intimider, insulter. Mmh. Et vraiment, ça peut blesser n'importe qui. Et ce que la jeunesse oublie, c'est que toutes ces stars, tous ces TikTokers et tout, en fait, sur les réseaux sociaux, on nous montre ce qu'on veut. Exactement. C'est ça que les gens oublient. Enfin, le rêve. Cette vie, en fait, elle est parfaite, mais c'est juste parce qu'on veut nous montrer cette vie parfaite. Mmh. Et là, ils ne font pas la différence entre la réalité et le virtuel. Voilà, et le virtuel, ils se laissent vraiment tous toucher, harceler. Mmh. Et vraiment, il faut être fort. Il faut vraiment être fort parce que de nos jours, il y a des enfants de 10 ans, de 9 ans et même de 7 ans qui se retrouvent sur les réseaux sociaux exposés à vraiment n'importe quoi. Les parents, l'éducation, la sensibilisation, c'est très important. Mmh. Ça sera vraiment difficile parce que de nos jours, n'importe qui peut avoir accès à un téléphone, à n'importe quoi. Et puis les enfants d'aujourd'hui sont très, très intelligents. Ils ont un esprit très éveillé. En tout cas, je pense qu'ils sont éveillés sur des sujets pas intéressants pour eux. Parce qu'un petit enfant, il débloque ton téléphone, il va sur des pages ou parfois... En tout cas, tout ce qui va dans la malice. C'est à quel âge ils ont appris ça, mais ils sont très doués. Et ils font des téléchargements. Vraiment. Exactement. Ah. Je vais un peu relancer, Queen, tout à l'heure, tu parlais de la vie de ces influenceurs et ces jeunes qui se laissent un tout petit peu dépasser par le virtuel et tout. Moi, je pense que c'est la sensibilisation, encore. Les jeunes sont très... Il faudrait rappeler, recadrer les choses en disant que ces influenceurs... Hein,
pas. Si moi, honnêtement, je ne vais pas sur des comptes inutiles aujourd'hui, pourquoi? Parce que je sais que je vais lui donner de l'argent, en fait. Quand j'allais sur YouTube, Facebook... Dès que vous touchez juste... Pour, sans faire de publicité, bien sûr, quand je vais... c'est un argent, c'est mon argent. Quand un méga est quitté, c'est converti en francs, c'est converti en euros, peu importe votre devise et tout, c'est converti aussitôt. Donc, rassurez-vous, vous enrichissez ces gens-là au lieu de vous enrichir vous-même d'une manière ou d'une autre. Si chaque jeune savait ça, je pense qu'on on irait plus de temps pour moi dans l'utile, l'agréable parfois, mais vraiment l'utile et dire non, je ne t'enrichis pas aujourd'hui. Moi, je l'ai fait. J'étais vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de vraiment les suivre et après, je me suis dit non, je vais arrêter à un moment donné. Je vais arrêter de vous enrichir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les choses bien. Je viens sur ton compte pour apprendre quelque chose. Mmh. Pour une actualité, nous sommes journalistes, animateurs et tout, c'est impossible de ne pas consulter ces pages. On va y aller, mais avec beaucoup de limites. Je me dis ça. Et les jeunes, c'est le virtuel, ce n'est pas la vérité. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts à imaginer où la majeure partie de ces stars du virtuel vivent. Vous n'êtes pas prêts. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne un jeune comme ça et qu'on l'amène voir la réalité. Sans toutefois fustiger quelqu'un ou bien dénigrer, on va trouver une maison. Bon, mais le vrai problème, c'est que les jeunes, ils aiment bien la belle vie, le rêve, la vie facile. Mais qui n'est pas vrai, cette vie luxuriante, où on sort, on a des sommes colossales d'argent qu'on dilapide dans une soirée. Je vais prendre un cas. Parfois, on ne le gagne même pas, cet argent. Un cas, pour qu'ils comprennent. J'ai été victime de ça, où quelqu'un m'a approché. Ok, j'aime bien ta taille, d'accord, on va faire quelque chose, j'ai pas besoin de ton argent. On a juste besoin d'un espace. Tout ce que je veux avec toi, c'est que tu deviennes influenceuse. Quelqu'un m'a abordé, me l'a dit. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je t'achète des vêtements, des lieux luxueux, je t'amène où c'est vraiment huppé, je t'amène, tu t'assois, on prend une photo, on la publie et c'est comme ça que ça commence pour toi. Et tu gagneras de l'argent. En fait, c'est comme ça que ça se passe. On parlait de manager. Très souvent, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière. Alors, ils vous mettent en avant parce que certainement, vous avez un beau visage, un beau petit corps, une belle teinte de peau, d'accord? Vous vendez mieux, mais vous ne pensez pas ce qu'il y a derrière le truc. Parce qu'après, vous devenez tout ce qu'il y a de sexuel, entre parenthèses, pour ceux qui vous regardent. Il n'y a pas de limite dans ce que vous publiez. Vous dites, ok, d'accord, je vais faire paraître aujourd'hui le petit soutien de côté. Demain, je vais faire paraître le petit soutif, demain. Et c'est comme ça que progressivement, on va totalement se déshabiller. Et on devient addictif. Et c'est comme ça que c'est parti. On n'a plus besoin du manager. On se sépare du manager, je gère tout maintenant parce que je maîtrise le showbiz, je maîtrise les rouages, les tenants et les aboutissants. Ils ne gèrent pas, ils maîtrisent le rouage. Les rouages, autant pour moi, et tant que ça fait rentrer de l'argent, ça me suffit. Alors, parlons justement de cet usage raisonnable des réseaux sociaux. On va faire un dernier tour de table concernant la thématique. Alors, Nathalie, peut-être un conseil à toutes ces femmes qui sont là cette soirée pour nous regarder, qui nous écoutent. Peut-être qu'elles ont décidé de faire dans le e-commerce, c'est devenu une tendance. Mm-hmm. Ce serait quoi ton message à leur? Alors, avant de donner mon message, j'aimerais juste ajouter un petit quelque chose à ce que les intervenants disaient précédemment. J'ai l'habitude de conseiller les plus jeunes en disant, qui publie ses échecs? Personne ne publie ses échecs. Personne. C'est très profond. Ah, si. C'est personne très profond. Personne ne publie ses échecs. Ah, si. Oui. Wow. Donc, si on avait à cœur que personne ne publie ses échecs, on se poserait des questions. C'est tout ce qui est beau qu'on publie tout le temps. Oui. Et lorsque je pose la question, tu as l'impression que la personne se rend compte. Se réveille en fait. Oui, elle se réveille. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. Personne ne publierait. Même moi, je ne publierais pas. Personne. Nous sommes quand même d'accord sur ce point. Pour qu'on arrive à les dire à nos enfants, vraiment, il faudrait que celui-là soit très mal. Il faut lui dire que, écoute, maman aussi est passée par là. Donc, si on gardait ça à l'esprit, je me dis, on utiliserait maintenant le réseau social de manière plus responsable. Oui. Pour moi, vraiment, dans le domaine de la recherche, pour moi, l'utilisation des réseaux sociaux, je convertis ça plus en termes d'opportunités. Il y a des opportunités immenses. Il y a des opportunités immenses, que ce soit pour la population dans l'ensemble, que pour les femmes en particulier. Nous savons qu'en général, dans notre société en Afrique, la femme est très occupée. Avec le réseau social, nous pouvons nous former à distance. Je peux avoir des diplômes en étant chez moi, juste en ayant ma connexion Internet. Il y a des cours, il y a des masters dans les universités qu'on peut suivre en ligne, en étant chez soi. C'est déjà un plus. J'augmente mes diplômes, ça me permet d'être plus compétitive dans le milieu sur le marché de l'emploi. Oui.
Et ça m'ouvre, il y a vraiment des sites comme par exemple sur Twitter. Mm-hmm. Sur Twitter, c'est l'un des sites que j'aime beaucoup. On ne publie pas n'importe quoi. Très responsable. Très, très responsable. Très. Vous avez des opportunités de travail, de recherche à la seconde. Je vois en général beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des diplômes, mais pas de boulot. Je me demande, mais comment ils font? Parfois, quand j'ouvre certains sites, surtout chez nous dans le domaine de la recherche, on a ResearchGate. Vous voyez tellement d'offres d'emploi. Mmh. Et ce n'est pas des fakes. Ce sont vraiment des offres sûres dans les écoles avec des enseignants reconnus. Mmh. Et c'est comme ça que vous pouvez évoluer dans votre carrière, avoir un bon boulot, bien payé. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont l'outil numérique, mais on ne sait pas ce qu'on doit chercher à l'intérieur. Donc je me dis c'est ça. Pour voir, si j'ai un message pour la jeunesse, c'est en fait déjà nos parents, pouvoir éduquer nos cadets, nos enfants à ce qu'il faut chercher dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui doit t'intéresser à l'intérieur? Qu'est-ce qui doit t'intéresser à l'intérieur? Le contenu, le Qu'est-ce que tu veux faire? Et maintenant, si je suis un peu plus cultivée, je peux même développer une stratégie pour t'amener à t'abonner aux sites qui sont vraiment responsables, te montrer que, par exemple, si on a des enfants, soit au lycée, après on aura le bac. Quand tu as le bac, tu veux faire quoi? Tu peux, si tu vois, il y a telle école qui forme comme ça, ainsi de suite. Ce sont des choses, ce sont des informations que la plupart du temps, nous ne pouvons pas avoir sur papier. Mais le réseau social nous permet. Oui. D'avoir ça, toutes ces offres-là. Nous, déjà, nous devons nous former à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Surtout en termes d'offres d'opportunités. Oui. Ce qui nous permet d'être un moteur de développement et pour nous, et pour la jeune génération. Et ça permet de faire des bénéfices. En parlant des bénéfices, Madame Abouto, parlons justement, on a un temps d'arrêt sur l'usage responsable ou raisonnable des réseaux sociaux. Un conseil à toutes ces dames, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a certaines qui sont allées danser, mais d'autres sont quand même devant des petits écrans pour se dire que, à part la danse, à part... un bénéfice dans le cadre strict de permettre que ce soit une opportunité pour les autres. Vous y allez tout simplement. Mais ce n'est pas aussi le domaine où il faut faire du n'importe quoi. Parce que quand vous faites du n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Voilà. merci. Chez toi, Queen, non, on ne va pas te demander de donner un conseil. On va juste te demander de faire monter la pression parce qu'avec le concours de la technique, on va quand même danser. Avant de finir avec cette partie, on va appeler toutes les dames de Regard d'Afrique qui pourront aussi venir sur le plateau. Donc, on va d'abord prendre cette transition. On va danser.
de Maria, de Marie, de Maria, de Marie, de Marie, de Marie. Il y avait ce jour en particulier, j'étais embêtée. Tu t'es approché, tu ne m'as pas méprisé. Tu as su me dire ça va aller, t'as su me réconforter. Tu vois comment ne pas t'écouter après ça. Et avec ce jour en particulier, j'étais endettée. J'avais pas un sou, mais tu as su me gérer. Tu as compris la situation et tu m'as dit oh oh. Si aujourd'hui il n'y en a pas, demain il y en aura. Ce n'est pas seulement pour mon physique, mais j'en ai dans la tête. Ce n'est pas seulement pour tes feelings, mais j'en ai dans le cœur. Ce n'est pas seulement pour ma cuisine, même si avec ça je t'ai piqué. Ce n'est pas... Merci à cet extrait de Your Queen. C'était aussi un hommage qu'on rendait à toutes les dames de Regard d'Afrique. Vous avez pu les découvrir, Nathalie, Madame Abouto, de même que Your Queen. Après ce passage où on est toujours devant les caméras, on a aussi ce moment où on passe derrière. C'était aussi pour rendre hommage à toutes ces dames-là. D'autres ne sont pas passées. On pense particulièrement à Claudia Issia, on pense à Marielle Dier et on pense aussi à toutes ces dames-là qui nous accompagnent chaque jour. Alors, c'est stop et fin pour cette édition spéciale d'Avila. Oui, stop et fin, c'est dommage, mesdames. J'espère que c'est un très beau partage. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup de votre patience. On va permettre à une queen qui est avec nous ici aujourd'hui. Yvette, on ne part pas sans sa prestation. Ah non, non, non. Elle va faire vraiment une attaque. Voilà. Là, on aimerait bien la suivre. Voilà. On a découvert un bout. Un petit peu le vidéogramme tout alors, à on va, dire, on va danser avec elle. Maintenant, on va danser avec toi. Moi, on danse. Bah, vous allez danser à deux, on va vous regarder, honneur à vous. Ok, bon, parce que nous ne sommes quand même... Yvette, vous avez intérêt, vous représentez tout regard à Queen. Ok, Queen, bon, on y va. On attend que la musique, qu'on l'envoie, parce que nous, on va se lâcher. Hein. On va se lâcher. Ok, on attend la motivation avec le concours de la technique. Bon, on va se lâcher. Bon, en tout cas, on n'a pas encore de musique, mais oui. Queen, nous, on a commencé, on a lancé. Ouais, voilà. On commence un peu avec la capilla. Bon, c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête, on a le rythme. On a besoin que vous nous accompagniez. La Maria, de Marie, de Marie, de Marie. Il y avait ce jour en particulier, j'étais embêtée. Tu t'es approché, tu ne m'as pas méprisé. Tu as su me dire ça va aller, t'as su me réconforter. Tu vois comment ne pas t'écouter après ça. Il y avait ce jour en particulier, j'étais endettée. J'avais pas un sou, mais tu as su me gérer. Tu as compris la situation et tu m'as dit oh oh. Si aujourd'hui il n'y en a pas, demain il y en aura. Ce n'est pas seulement pour mon physique, mais j'en ai dans la tête. Ce n'est pas seulement pour tes feelings, mais j'en ai dans le cœur. Ce n'est pas seulement pour ma cuisine, même si avec ça je t'ai piqué. Ce n'est pas seulement pour ta famille que tu décides de m'épouser. Je suis ta Maria, que tu me dis aujourd'hui t'as envie de partager ma vie. Je t'ai tellement cherché et c'est toi qui m'as trouvé. T'as su réparer le cœur qu'ils avaient détruit. Oh, tu desserres ce que ma peau recèle. Tu me donnes envie de faire des choses nouvelles. Dans mon petit cœur, t'es le seul qui règne. Je ne suis pas parfaite, mais tu me préfères quand même. Oh, j'ai fait des choses indécises. J'ai assez pour les décisions. T'as mis une pause sur ma vie. Et t'as béni la vision. Oui, j'ai fait des choses indécises. J'ai assez pour les décisions. T'as mis une pause sur ma vie. Eh, eh. Ils vont me dire comment c'est elle marée. Comment l'a-t-elle trouvée. Comment et qui. Comment et quand. Comment et où. Ils vous disent ça pas. Comment c'est elle marée. Comment l'a-t-elle trouvée. Je suis la femme de ta galère.
de Marie, de Marie, de Maria, de Marie, de Maria, de Marie, de Maria, de Marie, de Marie, de Marie. Ils vont dire comment c'était Marie, comment l'a-t-elle trouvé, comment et qui, comment et quand, comment tout dit sa part. On vous aime. Alors, je... Non, j'ai pas trahi quand même. J'ai... Non, c'est super. On a tellement suivi qu'on a dansé. Ah oui, oui. On était en phase en fait. Ah, on a suivi le rythme.